J'espère que vous allez bien. Je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver avec une vidéo unboxing. Ça fait très longtemps que je vous ai pas fait de vidéo dans ma boîte aux lettres. Et du coup là j'ai décidé d'attendre que quelques petits paquets arrivent. Et je pense qu'il y en a peut-être d'autres qui vont arriver aussi, mais bon, tant pis hein. Et vous en parler dans une vidéo dédiée. Déjà, il y a une énorme boîte là-bas. Je vais vous mettre 2-3 photos vous montrant déjà la taille de la boîte qui faisait peut-être presque ma taille, 1m70, qui venait d'Amazon. Donc dans les colis que j'ai, il y a des achats. Oui, j'ai fait des achats chez Beauté Privée et sur Amazon. J'ai utilisé Igral pour cela. Donc comme la dernière fois, je vous mettrai mon lien Igral si vous voulez gagner 10 € dès votre première inscription. J'ai utilisé pour Amazon et pour d'habitude quand je fais mes commandes Sephora aussi, j'utilise Igral pour cumuler du cashback et pouvoir après m'auto entre guillemets rembourser, gagner un petit peu d'argent sur ce que j'ai acheté. Donc là, j'ai utilisé Igral et j'ai acheté donc un gros colis Amazon. J'ai donc craqué, c'est Amazon pour la Ring Light, donc qui est là. Vous le verrez pas, mais je vous mettrai une photo. J'ai fait quelques tests, je suis pas encore au point, je sais pas si ça vous plaira, vous n'hésiterez pas à me dire tout ça en commentaire si vous êtes pas fan. Je trouve que c'est dommage que ça assombrit le fond, alors que oui, il fait jour aujourd'hui, mais il fait sombre, donc bon. Mais vous voyez mieux mon make-up et ma tête, donc je ne sais pas ce qui est le mieux. Je vais prendre le pli, voir comment ça... Comment je peux faire? Enfin voilà, je vais voir ça. Donc elle est là-bas, elle est énorme, hein, c'est un énorme colis comme ça. Il y avait donc, ouf, la catastrophe ambulante. Il y avait donc dedans aussi en plus ce petit truc là. Enfin bon, il y avait plein de cartons dans les cartons dans les cartons. D'ailleurs, Amazon ne sont pas du tout écologiques, hein, parce que bon, carton dans le carton dans le carton, voilà. Là-dedans, il y avait tout le petit matériel, il y a une petite télécommande avec. Donc il y a la fameuse Ring Light, il y a une petite télécommande. Il y a les anneaux blancs, les anneaux orange. Faut que je vois à quoi exactement ça sert. Le support pour le téléphone, une petite télécommande de Bluetooth. Ça, faut que je vois aussi comment ça marche. Je suis un petit peu déçue parce que c'est la grande Ring Light. Il y a 48 cm je crois ou 46. Et il y en avait une plus petite à 36. J'ai hésité beaucoup entre les deux. Il y avait une différence de prix. Hein. Honnêtement, je vous conseille la petite parce que je vois pas pourquoi la grande. Il n'y a pas beaucoup de différence. Mais alors le truc qui m'a déçue, c'est que je pensais avoir une espèce de sacoche, parce qu'avec les petites, vous avez une sacoche de rangement. Certes, je vais pas la ranger toutes les 5 minutes, puisque je pense que je vais l'utiliser, mais voilà, quand je voudrais la ranger, c'est quand même pratique. Là, je n'ai pas, donc je suis obligée de garder l'énorme carton pour pouvoir la ranger si vraiment j'ai envie de la ranger. Donc ça, c'est le point négatif de ma commande, hein. Et effectivement, je me suis tellement renseignée sur toutes les Ring Lights que je pensais qu'il y avait la pochette automatiquement avec, mais non, c'était pas précisé, donc là, c'est de ma faute, j'aurais dû mieux lire. Voilà, mais je pense qu'avec les plus petites, elles y sont. Voilà pour mon premier gros big achat hein, de chez Amazon, ça m'a coûté quand même 74 €, sachant qu'elle coûtait 69 €, mais ils ont augmenté entre temps, avec le Black Friday, ils ont augmenté. Alors je sais pas si c'est Amazon ou le vendeur ou quoi au caisse, mais en tout cas ça a augmenté de 14 €, enfin non, 74 je sais plus, oui 74 je crois. Donc ça a augmenté d'une dizaine d'euros quand même, donc bon. On passe à un deuxième colis qui est la Beautiful Box du mois de décembre. J'ai pas du tout ouvert, j'ai juste préouvert les cartons pour que ça soit plus rapide. Elle est très belle au niveau du packaging, je ne sais pas du tout le thème, mais bon, je suppose que c'est pour les fêtes, peut-être préparation pour les fêtes. Ah, vos indispensables pour le réveillon, donc ils nous ont mis comme d'habitude 5 produits, dont un make-up d'après ce que je vois, une petite trousse, waouh. Et pour cette dernière... box, ils ont décidé de mettre en place une beautiful carte de fidélité. Donc à chaque fois que vous commandez vos box, au bout de 4 box, vous avez un produit full size offert d'une valeur de 50 € dans votre paquet. Et au bout de 6, vous avez une option Colissimo gratuite à vie. Au bout de 8, une box entière gratuite. Au bout de 10, une box de rangement pour les petites cartes. Et au bout de 12, un méga cadeau à une heure de spa offert, cocooning, etc. Donc ça c'est pas mal, hein, pourquoi pas. Ça peut être un plus pour vous abonner. Donc, on a en make-up, on a un joli rouge à lèvres de la marque DWTN Paris. J'ai déjà eu un produit de cette marque-là, une sorte d'highlighter que j'ai pas du tout aimé. Là, c'est une encre à lèvres qui est, ma foi, on dirait un peu rouge bordeaux irisé. Voilà, un peu cuivré. De toute façon, c'est la tendance, hein, je crois, maintenant du cuivré. Donc, ma foi, pourquoi pas, ça a l'air pas mal. Je suis contente de voir un produit de la marque Baija à l'intérieur. Moi, je suis très fan de cette marque-là. C'est la gamme Cédra Passion, donc citron passion, fruit de la passion, pardon. C'est une crème pour le corps. Donc ça, c'est top. Je sais pas.
Ça sent une odeur assez agréable, on sent pas très très fort je pense, mais je vais pas l'ouvrir tout de suite. Je vais peut-être la garder plus pour le printemps, parce que pour moi c'est plus une odeur de printemps je pense, citron, c'est un petit côté frais, plus pour le printemps, alors que l'hiver j'aime bien avoir les odeurs un peu cocooning. Ensuite, un soin évasion Polynésie, soin visage bio, la crème rêvée des Vahinés. C'est sympa ça, au tiare et au frangipanier. On teste, on teste. Oula, générosité, bonjour. Ah oui, oh là là, oh ça sent très 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 bon. Ça en crème, alors c'est une crème de jour je pense. Crème visage, ma foi ça a l'air d'une petite merveille cette petite chose-là de la marque. Donc j'ai dit Claire Joie, Claire Joie. Tout à l'heure j'ai pas dit ça je crois, j'ai dit une connerie. Ensuite on a un soin de nuit. Donc, vous voyez, crème de jour, crème de nuit, parfait. Nourrissant et réparateur, mais c'est une huile je pense. Ah c'est pour les cheveux. Un soin de nuit pour les cheveux, mais c'est bien la première fois que je vois ça. Donc c'est une huile en pipette, comme ça, c'est superbe packaging de la marque KOS, ou KOS en tout cas. Coton adoucissant, lin réparatrice et argan nourrissant. Donc il y a trois huiles différentes à l'intérieur. Ça c'est trop trop bien, ça je suis ravie. Ensuite on a donc un gommage pureté douceur visage de pur et poli, ça s'appelle, de la marque Aini Skincare. C'est une marque que j'ai déjà eu dans les box bio, donc ma foi pourquoi pas. Un gommage, moi je suis toujours preneuse des gommages, surtout les petits formats comme ça de 50 ml, c'est très bien, c'est pratique. Je rappelle que dans la Beautiful Box vous avez toujours des full size et vous avez minimum 5 produits. Donc là je trouve que le thème de Noël est plutôt pas mal, le rouge à lèvres et la petite trousse. Ah, si je vous la montre à l'endroit, ce serait mieux, avec écrit donc Beautiful Box à l'intérieur dessus, rouge, donc ma foi très jolie. Ça ouais, ça c'est cool. Voilà, elle est très très jolie, donc ça c'est plutôt cool. J'apprécie particulièrement, donc ça c'est top. Ma foi, la box là, je la trouve très très bien. On passe à ce troisième colis qui est un colis de chez Beauté Privée. Comme d'habitude, je vous mets mon lien aussi de parrainage Beauté Privée si ça vous dit. Je crois que dès votre première commande, vous avez 5 euros. Il suffit juste de vous inscrire via le lien, mettre votre mail et pour recevoir les offres. Moi, je commande très régulièrement sur ce site pour offrir des cadeaux, que ce soit pour moi ou pour les fêtes. Je sais qu'à chaque fois, vers les périodes de Noël, il y a des jolis petits trucs. Donc, je voulais vous les montrer. Là, en idée cadeau, j'ai pris cette petite boîte cadeau trop mignonne avec un gel doux, je crois, à l'intérieur, une crème pour le corps de la marque Luxury Bathling Company. Souvent, c'est des produits voilà, qui viennent de Londres. Une crème pour le corps et un gel douche. Je vais l'offrir à la maîtresse de ma fille avec d'autres petits cadeaux. Donc, je trouvais ça très sympa voilà, à offrir. Je trouve ça top. J'ai acheté ça aussi. Alors, c'est aussi un petit coffret comme ça, trop mignon. Vous avez plein de trucs comme ça sur Beauté Privée à moins 70%. Ça m'a coûté, je pense, 4 ou 5 euros. Enfin, un truc comme ça. Donc, vraiment pas cher. Il y a une crème pour les mains et je crois une crème Body Cream. Une crème pour les mains, une crème pour le corps, comme ça, en petit packaging, toujours de la même marque, The Luxury Bathing Company by Grace Cole. Grace Cole. C'est à la vanille, celui-là, Fig et Vanille, et celui-ci, Wild Fig and Cranberry, donc fig et framboise. En tout cas, très beau packaging, et ça va être pour la maîtresse de mon petit frère. Ma belle-mère a voulu absolument commander un petit sérum pour ses cheveux, donc je lui ai pris, je lui ai offert, parce que comme je vous ai dit dans une autre vidéo, je ne sais plus, mais comme je vis de temps en temps chez elle, 3 jours dans la semaine, voilà, j'aime bien lui faire des petits cadeaux. Elle voulait, voilà, un petit sérum un peu pour lisser ses cheveux, un sérum concentré pour les pointes parfaites de la marque L'Oréal, pour le Steam Pod. Alors, elle se lisse pas spécialement les cheveux avec le Steam Pod, je crois pas qu'elle l'ait, mais elle voulait un sérum pour les pointes sèches et pour favoriser un peu le lissage, donc... Ça c'était 13 euros donc c'était pas donné, mais j'espère que ça lui plaira parce que bon bah voilà, elle avait envie. Et on a craqué toutes les deux pour deux bougies, donc vous avez vu c'est quand même bien enveloppé maintenant chez Beauté Privée et un petit échantillon de la dernière, donc pourquoi pas. Donc deux bougies, merci Andy. Alors moi je vous avais déjà parlé de celle-ci qui est à Black Vanilla, qui sont trop bons, dans des verres qui sont trop mignons, vous savez les fameux verres Duralex. Donc moi je l'avais déjà reçue en partenariat celle-ci, je l'avais terminée, enfin, j'avais adoré. Là ma belle-mère l'a pris pour elle et du coup moi je me suis pris celle-ci que je n'avais jamais testée, même en partenariat tout ça je n'avais pas testé. Elles étaient à 10 euros je crois sur le site Beauté Privée au lieu de 20 euros sur le site Merci Andy, donc c'est pas négligeable du tout. Et là c'est Boogie Woody, une sorte d'odeur de sapin. C'est exactement ça, une odeur de sapin très hivernale, parfait pour la saison. Donc ça c'est trop trop cool.
Ensuite, j'ai reçu un colis de chez Lush et je suis trop ravie. Ça fait vraiment longtemps que j'avais pas reçu un petit colis de chez Lush et ça va me permettre de redécouvrir. J'avais eu quelques produits à mon anniversaire par des amis. Mon mari m'avait offert un soin chez Lush, voilà, juste divin. Donc là, j'ai eu un petit mot pour me dire de découvrir la collection de Noël. Merci Bérangère encore une fois. Donc voilà, c'est toujours bien protégé. Je rappelle que ça, chez Lush, c'est biodégradable. C'est à base de maïs, je crois, si je ne me trompe pas. Ce n'est pas du polystyrène. Alors, en enlevant un peu le polystyrène, je découvre... Oh mon dieu, les odeurs chez Lush. Le Holy Berry, donc un brin de houx ne risque pas de vous piquer. Laissez plutôt son beurre de mangue fondre sur votre peau pour la couvrir de douceur. Donc je pense que c'est une sorte de beurre hydratant pour le corps. Oh, ça, j'ai jamais testé en pain comme ça. Mais pourtant, oh, y a de la noix de coco, des huiles essentielles de bergamote. Oh my god, mais l'odeur! Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos si ça vous dit aussi d'aller découvrir la gamme de Noël de chez Lush. Mais à chaque fois, moi, je suis conquise par leurs produits. J'ai 2-3 produits que j'avais eu à mon anniversaire que j'adore. Hein. Donc je vous invite vraiment aussi à aller découvrir en boutique parce que c'est là aussi où on est conquis. Hein. Ce truc là, ça a l'air d'être peut-être un pain moussant, quelque chose comme ça, le Sugar Plum Fairy. Donc le sucre exfoliant, ah non! Et l'orange douce sauvage danse sur la peau pour l'adoucir et la parfumer. Ça doit être une sorte d'exfoliant pour la peau comme ça, en pain. Trop bien. Ça sent bon aussi, hein, ma foi, mais ça sent divinement bon. On a un petit candy cane, enfin un gros même candy cane. Donc ça, je pense, placez-le sous le jet d'eau et voyagez au pays des sucreries riches en senteurs tonifiantes et bergamote et citron de Sicile. Donc je pense que ça, c'est un pain moussant que vous mettez du coup voilà, sur le jet d'eau et puis ça vous fait de la mousse et ça vous transporte au niveau des odeurs de toute façon. Oh, trop bien. Oui, trop bien parce que ça fait longtemps que j'en ai pas et d'ailleurs je galère avec mes lèvres. C'est un exfoliant à lèvres, le Sugar Plum Fairy. Donc je crois que c'est leur gamme de Noël que je connais absolument pas. Oh, trop bien. Vous connaissez les packaging Lush, voilà, les petits exfoliants à lèvres sont comme ça. Ça sent bon. Un peu la myrtille mélangée au sucre, vous voyez. Ça sent très bon. Ensuite, oh là là. Merci Bérangère, je suis toute là. Alors ça c'est pas un produit de Noël mais c'est un produit que je suis, dont je suis hyper fan. Je crois qu'elle pouvait pas me faire plus plaisir. C'est le R&B, le soin capillaire de chez Lush. Mon dieu que je l'aime ce soin. C'est un soin pour les boucles, qui nourrit la boucle, qui fait des jolies boucles. Et vraiment je l'adore, je l'ai utilisé vraiment. Mais je crois que j'ai utilisé au moins 3-4 pots. Bon il coûte un peu cher quand même, autour de 15 ou 20 euros je ne sais plus. Mais je l'adore. Voilà pour les petits produits Lush. Honnêtement, je suis toujours conquise par cette marque-là. C'est juste dingue. On reste dans le confort et le cocooning sous la douche puisque j'ai reçu un produit, enfin un énorme produit de la marque Skinjay Paris. Honnêtement, la personne avec qui j'ai eu contact, qui s'appelle Pauline, a été d'une gentillesse extrême. Et d'ailleurs, elle aime beaucoup mes vidéos, donc ça me fait très plaisir. Merci beaucoup Pauline vraiment pour tes petits mots qui m'ont vraiment beaucoup touchée. Et du coup bah, je vous mettrai les liens en barre d'infos si ça vous dit. Donc c'est bien sûr la marque qui m'a offert via la plateforme Octoly. J'ai postulé pour l'avoir, je l'avais déjà repéré depuis très longtemps. Mais j'avais pas osé passer le cap parce que voilà je sais pas. Et du coup c'est une sorte de dispositif universel que vous mettez sur votre douche pour vous relaxer. C'est un diffuseur un petit peu d'huiles essentielles. Vous mettez une sorte de, comme un peu les Nespresso mais version douche. Je sais pas si je suis claire. Et vous mettez votre petite capsule et ça vous diffuse des huiles essentielles pendant votre douche. Il paraît que c'est hyper relaxant, c'est hyper simple à utiliser. Donc je sais que je suis enceinte et si vous le savez pas, c'est bizarre. Que je n'ai pas le droit. Donc j'ai demandé avant si j'avais le droit de l'utiliser. Elle m'a dit que non, c'était à éviter pendant la grossesse. Mais c'est marrant comment ça se présente, c'est tout en polystyrène noir tout ça. Mais du coup mon mari va l'utiliser et puis je vais garder quelques capsules pour l'utiliser moi aussi quand ma grossesse sera terminée. Donc je me suis dit que c'était quand même un beau cadeau pour après la grossesse, vous savez, pour me relaxer. Moi j'adore me faire des petites douches le soir hyper relaxantes comme ça. Regardez moi ce coffret, il est juste magnifique. Donc ça c'est la petite chose à installer sur votre dans votre salle de bain. Si je peux, je vous mettrai une photo quand mon mari l'aura installé parce que moi je me sens pas capable de le faire tout de suite maintenant là. Il y a 4 petites capsules et ça vous pouvez après les racheter sur le site. Je vois qu'elle m'a rajouté d'autres capsules. Voilà, ça se présente vraiment comme Nespresso quoi, entre guillemets, hein. Désolée de la concurrence mais moi j'ai pas de Nespresso parce que je bois pas de café. Et là c'est la voluptueuse météore réconfortante de cannelle, d'orange douce et de muscade. Il y a 5 capsules à l'intérieur, donc ça m'a l'air trop bien. Donc vous avez ça à installer dans votre salle de bain au niveau de la douche. Il paraît que c'est très simple. Et vous avez les petites capsules à tester. Voilà, je vous montre les capsules et ça va se diffuser pendant la douche. C'est une super idée, c'est un beau coffret d'ailleurs. Super idée cadeau, je trouve que pour les...
les mamans aussi qui ont envie de se relaxer sous la douche, qui ont peut-être pas l'occasion d'aller faire des spas ou des choses comme ça, ça peut être vraiment très très bien. Donc là, je vais laisser mon mari tester. Je vous remettrai la notation s'il a beaucoup aimé. Et ensuite, je vous en reparlerai au mois d'avril-mai quand j'aurai accouché pour moi me faire un énorme plaisir sous la douche. Ensuite, petit colis encore une fois avec un petit peu de polystyrène à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est donc ? Une bougie. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Une bougie Durance. Oh là 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 là. Une bougie Durance qui est très bien protégée, mais je crois que j'ai demandé à la frangipane, non ? Un truc comme ça, je ne sais plus l'odeur, j'ai demandé, mais. Oh my god ! J'ai pas ouvert, mais. Oh l'odeur ! L'odeur ! Ah non, bah c'était pas loin, frangipane, galette des rois. C'est exactement ça. Cette odeur d'amande. Alors, faut aimer l'amande, hein. Faut aimer la frangipane, les gars. Mais voilà, bougie naturelle parfumée, galette des rois, Durance. Vous savez que moi, je suis... bah oui, frangipane. Vous savez que je suis une grande fan de Durance. D'ailleurs, derrière, j'ai une brume pour le lit, tout ça. J'adore les brumes de chez Durance. Les brumes d'ambiance aussi, j'aime beaucoup. J'en ai une aussi. Et j'aime beaucoup aussi leurs bougies. J'en avais une... odeur de Noël d'ailleurs que j'ai terminé depuis longtemps, je ne sais même pas où aller, j'ai dû l'utiliser l'année dernière, mais voilà, je suis contente. Oh, ça sent trop 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 bon. Oh my god, oh my god, oh my god. Et on termine par un colis encore une fois. Si j'en ai un qui arrive entre temps, parce que je crois que je dois en avoir un autre tout à l'heure, je vous rajouterai à la suite de cette vidéo, comme ça vous aurez vraiment un unboxing complet avant de vous mettre en ligne. Ah oui, mais ce colis-là, c'est pour Instagram. Bon, pour celles qui veulent voir quand même, je vous invite à aller découvrir sur mon Instagram. C'est un colis que j'ai demandé en partenariat pour ma classe. Oui, oui, ça m'arrive de demander des partenariats pour ma classe, ça m'arrive même souvent, contrairement à ce qu'on dit, parce que oui, je suis professeure des écoles. Et là, j'ai demandé un petit truc pour ma classe, parce que je me dis que ça pouvait être très cool. Je vous invite à aller voir mon Instagram pour découvrir ce que c'est. Je ferai une photo avec mes élèves, je pense. Bon, j'ai été merveilleusement gâtée par les marques. Je suis vraiment heureuse. Ma commande, je suis ravie aussi, mes commandes Amazon et ma commande beauté privée. Je vous mets, comme je vous l'ai dit, mon lien YGRAL en barre d'infos si ça vous intéresse. Il y a plein d'offres là pour les fêtes. Et puis, je vous retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous aimez bien les unboxings et que vous en voulez d'autres, des gros unboxings comme ça. Je vous invite à liker, à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à réagir sur vos derniers achats de Noël. Si vous avez découvert vous aussi la collection Lush chez en magasin ou pas du tout, c'est des choses qui vous font envie. Donnez-moi des idées aussi pour les prochains concours qui arrivent, parce que oui, j'ai envie de vous gâter. Donc, donnez-moi plein d'idées. Je vous fais des gros bisous. Salut.